Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Guillaume, on se retrouve pour l'épisode 6 des 1000 vaches. Déjà 6 semaines qu'on tourne des vidéos. Dans cet épisode, on a pas mal de petits boulots, on a encore pas mal de missions. Nous, on est au mois de janvier encore, donc on va attaquer en gros la deuxième moitié, enfin la première moitié de l'année. Enfin, je sais pas comment m'expliquer, mais on a déjà fait 6 mois, on va dire, voilà, dans les 1000 vaches, en gros. Pratiquement, un mois par épisode, voilà, c'est ça qui est bien. Donc voilà, on a pas mal de boulot, on a pas mal de missions à faire. Avant ça, tu peux aller checker, hop là, c'est de l'autre côté, l'épisode de la semaine dernière, si tu l'as pas vu. Aimez, likez, partagez, vous abonnez, voilà. Hein, pas dans cet ordre-là, mais voilà, dans l'autre désordre. Pendant que j'y pense aussi, pareil, si vous voulez des DLC et acheter le jeu, vous pouvez le faire avec le petit lien qu'il y a dans la description, ça soutient la chaîne. Aujourd'hui, pour la vidéo, je suis en compagnie de Alexis. Bonjour. De Tsuwamono. Bonjour tout le monde. Et du petit Davidou. Mais bouge-toi. Voilà, on est 4. La semaine dernière, on était 3, je crois, il me semble. Ouais, on était 3. Ouais, ils nous ont tous abandonnés. Enfin, de façon, rester avec les meilleurs. Ils sont tous abandonnés. Ouais. Oui. Excusez-moi de travailler, messieurs, de faire semblant de travailler. Ouais, lâcheur. Ouais. Bon, allez, oui, les amis, on est parti. Let's go. Bah, yo, on est parti, là. Oui, bah, au revoir. Oui, je fais quoi, moi Bah, démission de la bourre. Allez, acceptez le contrat. Hop, donc on a déjà 2 missions de récolte. Du jeu est fort. Ouais, je regarde moi aussi si le son du jeu, de toute façon après je vais passer tout en post-prod. Alors, j'ai des petits problèmes en ce moment avec mon record d'OBS, ça fait 2 épisodes, donc j'essaie de trouver une solution. Ah, un dessus sauvage. Non, ça, un dessus sauvage. J'essaie de trouver des solutions, mais je n'y arrive pas. Parce qu'en fait, donc je vous explique tout, même dans la technique. Le champ 27, champ 21 on a dit. Bien, c'est que... Je m'en vais, je pars, mais je sais même pas où je dois aller. Mais c'est pas 21 et 39. Alors, le 21 et non, le 39. Ça, c'est pas 21, 39, c'est sûr. 39, il est là, et le 21, il est là. D'accord. Bon, on va commencer par le 21. Allez. Ouais, c'est qui vient avec moi? Ah, c'est Alex. Putain, on va faire un ensemble full class. Hop, on va se mettre un peu de feu parce qu'il est encore tôt le matin. Ah. En gros, je vous explique. Donc j'ai mon PC de jeu, j'ai mon PC de montage, enfin mon PC de record, pardon. Donc je record avec mon PC de record, forcément. Mais j'enregistre 2 flux simultanés. Donc j'enregistre le flux du jeu et j'enregistre mon flux caméra. Ce qui fait que ça me permet de pouvoir faire interagir ma caméra. Par exemple, là, je peux la couper. Et là, vous allez tous crier « Ouais, dans les commentaires, on voit plus sa gueule !» Mais je peux vous la remettre, et en grand. Voilà, donc ça, pour moi, c'est un gros avantage, parce que ça me permet de faire du montage, et si je veux conserver mes rushs juste de jeu, je peux. Ou juste mon rush caméra, par exemple, je peux. Et je peux redimensionner ma caméra comme je veux. Voilà. Mais le seul inconvénient, c'est que donc, je passe par OBS, et OBS ne fait pas ça de base. J'ai été obligé de mettre un plugin. Et à première vue, ce plugin fait bugger les vidéos. Mais juste la fin. Donc là, je vais contrer le bordel en enregistrant 20 minutes de plus de vidéo. Pour pas avoir de problème en sortie d'épisode, quoi. Enfin, en espérant que ça corrige ce problème de sortie d'épisode. Et il y a des épisodes où ça fonctionne très bien. Donc je sais pas pourquoi. Non, c'était par là, Alexis. Enfin, tu pouvais passer tout droit aussi, mais... Je suis derrière, moi je te suis. Hein. Bref. Comme d'habitude, j'ai essayé de lire des commentaires en temps réel. Les commentaires qui arrivent. Hop. Puisque nous, on tourne l'épisode 6... Alors que l'épisode 4 vient à peine de sortir il y a une ou deux heures. Sachant que j'ai failli faire une belle LFD. Non, ça t'as failli faire une LFD. Ouais. Putain, je...
parce que l'épisode sort à 5h30. Oui. Je vous dis, tiens, c'est bizarre, je reçois pas de notification sur mon téléphone. Ouais, 7h35, je me dis, bah tiens, je vais quand même aller voir ce que ça donne, quoi, voir s'il y a déjà des commentaires et tout. Je vais sur la chaîne, pas de vidéo. Pas de vidéo. Ah, bah bravo. Il n'est pas programmé, quoi. Ah, j'ai fait purée, mais oui, je l'ai pas programmé. Aïe, 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 aïe. Donc voilà, quoi. Bon, ça va, 5 minutes de décalage. Bon, tu me diras, je me serais barré faire autre chose, la vidéo, elle serait peut-être pas sortie. Oui. Je me serais peut-être rendu compte que demain, mais je fais bordel, mais c'est bizarre ça. Il serait sorti que maintenant. Ouais, ou maintenant, ouais. Le petit David a l'air bien sage, ce soir. Oui. En passe. Je cherche où il faut aller ce soir. Pour ça, tu cherches où il faut aller. Un indice, celui-là. C'est la croix de 4. Je suis en train de chercher où il est, je vois pas. Un indice, suis la route. Bah, c'est ce que je vois faire, déjà. Le low 4. Non, au 34. 34. Le 34. Le 34. Il veut aller au 30 et au 4. Et pas loin, je veux au 3-4. Ou au 3-4. Dans le. C'est comment? C'est l'héros, je crois. 34. Si je dis point de bêtise. Ça peut être une possibilité, Sean. Il y a tourné ici. Mon dieu. Ouais. Il y a des trucs. La formule. Les TP pour les trous. Pour les boucher, les trous. Bah, t'avais un peu de caillou dans la benne tout à l'heure. Je sais pas où j'y vais, mais en tout cas, j'y vais. Oui, bah, tu trouveras bien la route. Donc on a 82 000 euros encore pour l'instant, c'est bien. Ça pour l'instant. Pour l'instant. C'est tout. Oh, le pour l'instant. Oula. On roule sur la route Alexis, ça ira mieux. Hop, allez. Ah, ça peut arriver ça. Non mais là va falloir qu'on commence à songer, parce que là on peut commencer à semer je crois, non? Attends, faut que je regarde le... Possible. Moi de janvier. Non, janvier, non c'est... Février non. Qu'on peut commencer à semer, coton... Non, c'est... Ouais, c'est... Mars, on va pouvoir semer avoine, tournesol. Donc on regarde. Avril, on peut semer maïs et soja. Donc à mon avis... C'était plutôt du blé qu'il aurait fallu, non? Bah oui, mais le blé c'est mois de septembre, alors on était un peu just. Bah oui, on est pas en retard. Donc Non, puis je t'ai dit une connerie. Hein? Oui, non, c'est bon, oui, non, la saison des récoltes. J'avais complètement zappé. Non, mais bah, il va falloir au moins, nos deux champs, il va falloir qu'on mette des semences, des récoltes. Et à mon avis, on va partir pour du... de l'avoine. De toute façon, il va déjà falloir un semoir, déjà. Parce que l'avantage de l'avoine, c'est qu'on peut récolter, et tout de suite derrière, on peut semer du blé. Et je crois que l'avoine, ça fait de la paille, en plus. Ouais. Oui, c'est ça. Donc là, première année, je pense que ça va être nos deux champs vont être en avoine. On va faire un semoir. Bah. C'est des choux, ouais. Voir deux, ouais. D'ailleurs, faut que je remette le temps fois 5. Et voire même. Comment ça s'appelle? Dépendeur de chaud. Bah, chaud en grès, ouais. Vu qu'on a le mode précision. Tant qu'on n'a pas le lisier des vaches, une fumier des vaches. Ouais.
Ah, on a encore pas mal de boulot là, je pense qu'on a encore une année à... Enfin une année, oui, une année du jeu, hein, je parle. À pas galérer, mais à... À travailler. Enfin, à travailler. Avant d'avoir des vaches, je pense. On a encore une année sans avoir de vaches. Enfin, peut-être un peu moins, parce qu'on dès qu'on pourra avoir de la paille... Vu qu'on a de l'herbe, on peut en avoir facilement. De l'ensilage, on en a déjà. Donc ouais, non, on pourra... Moi, à mon avis, je pense que, ouais, après nos premières récoltes, je pense qu'on pourra commencer à... Commencer à songer à acheter des vaches. Donc je dirais dans... Ouais, dans... 5-6 épisodes, quoi. À peu près. Sachant qu'on fait un épisode par... Enfin, un jour par épisode environ. On sait qu'il y aura du matériel à acheter pour ça. Mais il y aura du matériel à acheter, parce qu'il va falloir ouais, qu'on achète un ou deux semoirs. Mélangeuse. Bah, après, pour les vaches, oui. Alors, oui, ah, après, oui, il y aura du matériel les pour vaches, les vaches. Mélangeuse. C'est vrai. Faut moins une mélangeuse. Mélangeuse, tonneau. Ouais. Bétaillère. Bétaillère pour aller chercher. Pas que ça nous coûte trop d'argent. Donc, à voir. Mais bon, d'ici là, on aura encore pas mal de missions à faire. Oui. On va... On augmente le compte bancaire avec beaucoup de sous et sachant qu'on n'a pas d'emprunt. Ouais. Ouais. On a dit qu'on n'avait pas d'emprunt. J'ai trouvé mon futur nouveau jouet. Non. Si. De quoi? Non. Si. Non. Qu'est-ce qu'il a trouvé comme futur nouveau jouet? Un gros bébé. Oh oh. Y en a pas. Non. Oh si, un petit Syntrac. Non. Si, un petit Syntrac. Non, non. Tiens, allez, premier commentaire, tiens. Ah bah, c'est le plombeur. Ouais. Donc il va être très court, le plomb commentaire. Super vidéo, pouce en l'air. Ça fait plaisir, non? Voilà, plombeur, bah, notre... J'ai les statistiques, enfin j'avais les statistiques pendant un moment, c'est notre plus gros commentateur, plombeur. Il a mis un commentaire sur chaque vidéo de sortie de la LFD. Eh pas. En tout cas, bah merci à toi, plombeur. Super vidéo, oui. Bah on essaye. Après, ouais, c'est... Voilà, c'est notre façon de jouer. C'est... Ça plaît peut-être pas forcément à tout le monde, mais nous, le principal, c'est qu'on s'amuse et que ça nous plaise. Et de l'eau derrière, tu feras gaffe. Tac. Y a un petit peu d'eau. J'ai failli faire une Joanne. J'ai failli faire une Joanne. Dommage, j'ai l'air de faire. Ouais. Cher. Je suis bientôt plein. Ouais, ouais. Ah. Je suis bientôt plein. Bah ben, je suis plein. Non, oui. Non, recule. Roucoule. Roucoule. Ah. Ah. C'était quoi ces gros coups de frise là? Je sauvegarde. Ah bah peut-être ouais, mais alors dis donc. Elle a fait mal. Elle a fait bobo, hein. Ah, son pied passé. Elle a fait bobo. Donc on est toujours sur la map que je développe. Voilà, je me répète chaque semaine, mais je préfère vous le dire, que ça soit bien ancré pour les nouveaux. Surtout pour les nouveaux qui débarquent, qui ne me posent pas la question... Enfin, que j'ai pas plutôt la question 50 000 fois dans les commentaires. De, c'est quoi la map? Donc c'est une map qui est en cours de développement, qui est pas encore sortie, qui
Il va sortir, j'espère, le plus rapidement possible. Avant cet été. Avant une certaine date, parce que je m'avance plus maintenant, parce que il y en a certains qui disent bah oui. Nanani, elle devait pas sortir l'année dernière, nanana. Bah si, mais techniquement, voilà, ça prend vraiment du temps à vous sortir quelque chose. Noël, normalement. Oui, mais j'ai pas dit Noël de quelle année. Voilà. Ouais. En plus. Donc pour le coup, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, surtout à vous sortir quelque chose de quali. Donc voilà. J'espère vous la sortir du moins une version bêta au plus rapide. Et dites-vous bien que c'est une map qui est 4 fois plus grande que les maps de base. Donc c'est comme si Farming développait des maps 4 fois plus grandes de ce qu'ils font à l'heure actuelle. Je pense pas qu'on aura un Farming tous les 3 ans, parce que c'est confirmé. On n'aura pas de nouveau Farming cette année, il sera l'année prochaine. C'est une cette année. Oui, il y en a un cette année, oui. pour appareil mobile. Oui. Mais bon, moi je dis... dites-nous dans les commentaires si vous préfériez tous les 2 ans un nouveau Farming ou tous les 3 ans. Moi, personnellement, ça me dérange pas tous les 3 ans. À voir s'ils vont mieux le développer. Bah, moi, je préfère qu'ils prennent leur temps et qu'ils nous mettent beaucoup de choses tous les 3 ans que de sortir juste une update. Ou alors sinon aussi, faut qu'ils nous fassent comme ETS et des updates régulièrement, quoi. Mais gratuites. Oui, mais ça rapporte pas d'argent, ça, malheureusement. Mais de sortir un nouveau jeu. Ah, ou alors, faut qu'ils nous sortent des gros DLC. Oui. Ah, j'ai vu qu'il y a eu une grosse mise à jour ETS, là, il y a pas longtemps, là. Ah bon? Oui. J'ai même pas vu. Possible. Donc, je crois qu'ils avaient changé le moteur graphique d'ETS, justement, je me semble. Bah, il me semble que tu avais vu passer un truc comme ça, et puis l'arrivée des nouveaux DLC, je sais plus comment il s'appelait. Pas le truc vers l'Ukraine par là-bas, enfin les pays de l'Est. En fait, il est champ, il est grand le champ. Bah oui. Il y a 3 hectares et quelque chose, je crois. Bah, c'est l'un des plus grands de la map. Ouais. C'est un des plus grands de la map. Mais voilà, donc on travaille pour vous sortir quelque chose de quali et du maximum fini. Et surtout de fonctionnel. Voilà. Bon, ensuite. Et tu veux pas faire le 33 toi? Écoute, je suis parti sur le 44. J'ai trouvé mon premier. Il était parti sur le 34 à la base et du coup il fait le 44. Bah écoute. Mais... Ouais. Je suis passé à côté du 44, allez, je me fais le 44. Non, 55, 53. 53. Du 34, j'ai fait plus 10. Voilà. Alexis, t'es pas obligé de me poser plein de commentaires. Ah, moi j'ai rien fait. Je les vois. Je réponds aux commentaires. Il y a ça aussi qu'il faut que je... Après, je sais pas si sur la map je dois augmenter un petit peu la rémunération des missions ou pas. C'est pas en difficile là. Non, je crois qu'on est en normal. Mais les mots de la bouche, c'est pas juste. Comment ça, je t'enlève les mots de la bouche? Il me semble qu'on est en... Il me semble qu'on est en normal. Ouais, on est en normal. Donc. Donc je sais pas.
Je sais pas. Parce que bon, l'avantage en multi, c'est que tu peux faire beaucoup de missions, donc au final, t'as pas besoin de trop les augmenter. Non, solo, c'est mais l'inconvénient du solo, c'est qu'il faut que tu tapes beaucoup de missions. Voilà. Après, je sais pas. Je sais pas, mais t'es quasiment à 2000 balles l'hectare, quoi. Pour de la labour. Oui. Ce qui reste dans l'absolu. Ah, je suis pas. Ah. Puis c'est pareil, tu veux dire, pour la récolte, presque, parce que bon. 6003 pour 3006, 3,8 hectares. Presque du x2, enfin du x. Après, sachant que les terrains sont pas excessivement chers, mis à part bah, le terrain de la ferme. Ils ont qu'en récolte avec le bénéfice à la fin, on va dire que t'es à 2000 aussi l'hectare, quoi. Ouais, voire un peu plus même. Comme vous chien, comme vous chien. Bah, c'est la grosse qui est au milieu de la map. C'est la sur la grande route. En face du Belgeo. Si tu vas déjà être plein ? Ouais. Ah, le plus simple, si tu veux y aller, c'est tu passes vers la Syrie. 140, là, Syrie, 40. Tu longes le champ 24, tu passes entre le 41 et le 42, et tu vas tomber tout de suite sur la coopérative. Et vu qu'il a pas compris ce que je lui ai dit... C'est ça. C'est ça. Il est déjà perdu. Là, le champ 24. Tu pars dans le, là, tu pars à gauche, là. Pars à gauche. Bah, le chemin qu'on a pris la dernière fois. Ah bon, on est au 48 là. Là, tu prends le chemin, tu vas passer vers la Syrie. Une fois que tu as dépassé la Syrie, tu tournes à droite. La Syrie à droite. Tu dépasses la Syrie et tu vas à droite. Et après, c'est tout droit. Tout droit, tu vas longer le champ 24, tu vas passer côté. Tu vas longer le lac. Et après, le lac, c'est à droite. Et tu vas passer vers la ferme maraîchère. Évite de tomber à l'eau, hein. Je m'appelle pas Johan, hein. Oui, mais comme il est pas là, il faut bien qu'il y en ait qui le remplace. Voilà. Oui. David, ça. Non, c'est Alexis. Donc là, à droite. Non. Dire, David, c'est que tu as perdu, déjà. C'est bon. Non. Oui, c'est bon. Non, là, je me suis pas perdu. Tu vas tout droit. Au 34, t'es arrivé au 44. Oh oui, mais j'ai trouvé celui-là. Piquer mon champ, quoi. Ah, tu vas tout droit. Et une fois que t'as dépassé le lac, c'est tout de suite à droite près le lac. Ok. Et après, c'est tout droit. Je t'ai piqué ton champ dessus. Bah oui. Bah non. T'as pas dit que tu voulais faire le 44. Je les ai pris juste avant la vidéo. Ah bah non. J'ai pris le 17 44. Lac, tout de suite après le lac, tu tournes à droite et tu vas passer entre le 41 et le 42. Alors, tiens, un autre commentaire. Titi du 15. Salut Guigui, salut la team. Pour moi, pour l'instant, la meilleure des régions françaises. La meilleure. Et région française, assez sympa. Et elle est vallonnée comme j'aime. Vivement la tienne, elle a un cachet que beaucoup n'ont pas. Merci. Donc oui, il y a 15 jours du coup. Parce que nous on tourne en décalé, on a un épisode d'avance. Donc là je réponds aux commentaires de il y a 15 jours. On avait posé la question, quelle était selon vous, sur laquelle map vous aimiez jouer. Et quelle était la plus belle map, hormis la mienne bien sûr. Que vous trouviez la plus jolie. Ça grimpe beaucoup pour le map latin. Il y en a Alexis qui arrive. Ça grimpe donc pour le map plat. Comment ça, elle est plate la map? Ah ouais? Moi je suis impatient de voir une chose. Guigui aura fini la zone vignoble. Ouais, bah, il y a...
Il y a le temps encore. Oui, non, mais je sais, je suis pas pressé. Il y a le temps encore. Il y a moyen de bien s'amuser aussi dans cette zone. Parce que la zone vignoble, je sais même pas si elle sera pour la bêta. Ou si elle y est, ça sera une version. Une version déco. Non mais c'est vrai que bon, alors après je vais encore me lancer des fleurs, mais il y en a qui la trouvent comme la semaine il y a 15 jours, il y en a un qui avait laissé un commentaire qui la trouvait pas fade mais vide, enfin pas vide mais inanimée. Oui, alors c'est peut-être parce qu'il n'y a pas des voitures qui passent sur les routes, parce qu'il n'y a pas des ballons qui passent dans le ciel ou des conneries comme ça, mais bah, vous voyez, il y a des éoliennes. Mais on s'en fout, en fait. Il y a des éoliennes, il y a... Des ballons, des voitures. C'est ça. De la plupart du temps... Bah tiens, dites-nous oui. Aussi, pareil, dans les commentaires, si vous jouez avec ou sans le trafic. Sans, la plupart du temps, le trafic, il fait chier, donc... C'est ça. Moi, perso, je joue sans. Moi, perso, aussi, je joue. Au début, puis deux secondes après, je l'enlève, ce qui me saoule. Pareil. Bah, t'as pas vu, là, sur la partie forestière, samedi soir. Ouais, bah, oui. À un moment donné, je l'ai viré parce qu'il m'a saoulé, quoi. Oui, je confirme. Oh, le trafic, il est chiant, il est pas assez... Il est pas assez développé. Ouais, ah, parce qu'on voilà, bloque une voiture, arrive à bloquer une... Bah, c'est pas question de ça, c'est qu'en fait, il te coupe la route, il coupe la route et puis les bagnoles, c'est du béton armé, quoi. C'est clair, ça. T'as vu une voiture, toi, qui t'arrête une abatteuse. Bah oui. Ouais, il faut qu'elle est sous la chenille, ouais, en miette. Voilà. Donc bon. Après, voilà, le trafic, pour moi, c'est pas quelque chose de primordial à développer. Alors après, ouais, on pourrait mettre des petites animations par-ci, des petites animations par-là. Ouais. Ouais. Oui, mais ça, c'est de la finition. Mais. Ouais. Il reste d'abord le gros œuf. Moi j'appelle ça plutôt du cache-misère, après, les animations. Après il disait qu'il manquait le village et tout ça. Après, ça ah aussi. oui, bah ça oui. Le aussi. Village. Il y a un village, oui, bah ouais. il va être en cours de développement. En même temps, il est dans les tuyaux. Hein. Ah oui, bah oui. Ah, juste oui. Qu'il n'est pas encore. Bah le problème c'est que. Au départ j'étais parti pour commencer le village. Mais c'est toujours pareil, je voulais faire quelque chose d'assez réaliste par rapport à ce qui existe en vrai. Je m'aperçois que j'ai pas encore les compétences pour refaire des bâtiments de A à Z avec des textures, tout ça. Oui. Et donc ça va être approchant. Voilà. Mais le village y sera, ouais. Pas dans la version qui sortira, mais le village y sera. Avec le fameux petit rond-point serré. Oui. Le petit rond-point serré en dévers. Ça, il n'y a pas beaucoup de maps qui l'ont. Ouais. Après, oui, il faudrait que je me... Après, c'est de la déco. Oui, on pourrait mettre dans les points de vente des persos qui se baladent à pied, des conneries comme ça. Et tout ça, sans me perdre. Mais bon, moi pour... Oui, après, oui, c'est sûr qu'il manque un village, ouais. Oui, mais bon, il va arriver, quoi. Mais il va arriver. Je suis plein, Alexis. Ouais. Ah. Oui. Mais... Bon. C'était une sauvegarde, ça, mais... Oh, yes. Ça fait mal. Mais moi j'aime bien jouer sur cette map, voilà. Et franchement je vous dirais, même si c'était n'importe qui d'autre qui sortait le même style de map, avec le même décor, les mêmes forêts, les mêmes trucs comme ça, parce que moi ce que je reproche aux autres mappeurs, et franchement pour une map où il y a déjà pratiquement, allez, il doit y avoir 80 000 arbres,
Ouais, ok, je tourne à 40 FPS, 30 FPS, parce que je suis en full ultra avec des shaders qui pompent quand même pas mal sur la carte graphique. Je veux dire, elle est largement jouable, quoi. Elle est quand même vachement fluide. Et c'est ça que je reproche un petit peu aux autres mappeurs, c'est qu'ils font des forêts, mais ils osent pas mettre des arbres. Puis bon, elle a son chat, voilà. Mais vous en faites pas, elle va sortir. Elle va sortir. On va tout mettre en œuvre pour qu'elle sorte. Alors certes, oui, j'aurais peut-être mis 2 ans pour vous sortir une bêta. Et d'un autre côté, t'as jamais fait aussi gros. Mais d'un autre côté, j'ai jamais fait aussi gros et jamais aussi poussé dans le détail. Parce que les fermes de lin auxquelles étaient détaillées, mais pas autant que celle-là. Pas autant que celle-là. Puis bon, ceux qui aiment pas la map, bah ils aiment pas la map, hein. C'est pas grave, hein. Moi, je m'en fous. Nouvelle bouclée, c'est le principal. Bon, le tout maintenant, c'est qu'il va quand même falloir qu'on se penche quand même un de ces quatre pour un nom. Ouais. La map sans nom. La map sans nom. La non-name map. Bah oui. La fail. Tu peux l'appeler Xertini. Ouais. À voir. Faut qu'on réfléchisse, faut qu'on... Oui. Mais c'est vrai que j'ai regardé un peu les commentaires là de l'épisode d'il y a 15 jours. Vite fait, les noms de maps qui sortent dans les commentaires. C'est ce que tu disais, David, c'est du réchauffé, quoi. Là, j'en voyais un, il parlait de Gamenstrad. Bah, Gamenstrad, ouais, mais elle était déjà sortie sur le 17, il me semble. Oui, il me semble aussi. Par contre, le seul truc que je sais, c'est que pour le prochain farming, je vais continuer le développement de celle-là, si c'est possible. Et si c'est pas possible, eh ben je redévelopperai une map, mais beaucoup plus petite. Là, elle sera pas aussi poussée que celle-là. Enfin, je dis ça, et... bon. Hein ? Tu peux pas faire une 2X. Bah après, si, tu peux faire une 2X, mais... C'est sur de la base du 4X, quoi. Oui. Techniquement, c'est une 2X. Bah là, techniquement, on est déjà sur une 2X, ouais. Oui. Non, mais déjà, faire une 1X, déjà... Tu fais une 1X complète, déjà, ça... Ouais. Après, c'est toujours pareil. Tu prends garde. La zone avec la grande forêt et puis la carrière, ça te remplit déjà pratiquement une AX. Hein. Oui. En même temps, la forêt doit remplir que... parce que 2X, hein, non ? De ? Si. De toute la map. Ah, de toute la map ? Ouais, quasiment, ouais. Puis... Oui, peut-être même un peu plus, ouais. Toutes les forêts réunies. Mais bon, c'est pareil, les forêts, c'est du boulot aussi. Même si c'est pour le coup, c'est aussi qui en a fait une grosse partie. Ouais. Si, le c'est à moi. Bah, un peu trop gentil. Hein. À la base, c'est pas aussi, hein. C'est moi. Je lui avais filé le pattern des forêts. Je lui dis, bah, là, voilà ce que je veux comme forêt. Débrouille-toi pour faire, quoi. Oui, mais voilà.
Bon, ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à 100 000 ce soir, là, enfin, dans la vidéo. Mais je pense que nous, on aura... Je sais même pas si on va avoir le temps de finir le chant dans la vidéo. Le chant là. Voilà pourquoi j'aime pas les gros... Il y a peu de chance. À combien de pourcents, Guigui ? À très mis. Là, 83%. Là. Tu veux, David, là ? J'essaie d'être... Je suis au 38, je cherche le 39. Les 39, c'est de la récolte. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Surtout en multi. Bah oui, 39 c'est la récolte. Qui va le bois champ récolter. Mais on va se faire 34 maintenant. Tac tac tac. Ouais, je vais t'arriver à 100%. Là, ouais, je suis à 98%. Et puis nous les amis, on va se faire un petit timelapse, on va se terminer le chant, comme ça, ça sera torché. Allez, c'est parti pour la musique. Bon, allez, on est presque à la fin du chant. Nous. Tac, tac, tac. Du coup. Après, on ira. Bah, on emmènera le matériel sur l'autre chant. 39.
Ouais. Sur le 39. Hop là. Allez. Tac. Donc ça nous aura quand même pris à moissonner le champ quasiment 40 minutes. Avec la moins l'intro, moins le... Ouais, allez. Ouais, 40 minutes en gros. Oui, mais en même temps, t'as une petite moissonneuse avec une barre de coupe d'un mètre aussi. Ah non, c'est quand même une 7m20 déjà. Oui, mais bon, c'est tout petit quoi. Bah pour celui-là, tiens, oui. Raté. Enfin, bouge pas. On en prend une 12m. Hein, après. Bah après, ouais, faudrait du 9m déjà. Mais 9m en pliable, à part sur farming. Ouais. Donc il faut prendre du 12m. Pour avoir le chariot intégré. Ouais. Mais après, on pourrait prendre une 9m. Par la suite, on pourra peut-être prendre une 9m. Bah avec un chariot, ouais. Avec un chariot, ouais. Mmh. Alors, on a dit champ 39. Le 39, il est où le 39? Il est là-bas, le 39. Il est au milieu. Vu. Non, ça, c'est pour déplier la benne. La buse. Hop là. Donc les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer, liker, partager, commenter, voilà. C'est important pour vous, enfin pour nous. Hop là. Nous, ça nous motive après derrière aussi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et n'hésitez pas à venir nous voir aussi sur les différents lives qu'on fait, sur les différentes vidéos aussi. Bah pour l'instant, il n'y a que celle-là en vidéo. Mais ah, j'aurais pu mettre les gyros. Mais n'hésitez pas, ouais, à venir nous voir aussi, même pour les live mapping le dimanche matin, si vous savez pas quoi faire, en de 9h à 10h, de 9h à 11h, pardon. Vous pourrez aussi voir l'avancement de la map autre que dans les vidéos, parce que là, on fera des mises à jour. Pas trop régulière parce que c'est quand même assez galère à faire des mises à jour sur une carrière, mais vous verrez aussi l'évolution de la carte, hein. Et les petits ajouts par-ci par-là, de la déco, des conneries comme ça. On passe dans les whoops. Attends. Bouge plus, Alexis. Bouge plus. Je vais essayer de faire une miniature par là. Hop là. Tac. Avec le lac. On va faire comme ça. Et puis au pire, on recadrera. Hop là. Non, reste sur la route. Reste sur la route, Guillaume. Va pas dans le lac. Va pas faire une Joanne. Il doit avoir les oreilles qui sifflent. Oui. Entre ouais, les monstres et nous, ouais. Comme d'habitude. Hop là. Ouais, en fait, plus je joue sur la map, plus je me dis, j'ai encore beaucoup de boulot quand même à faire. Bon, tout de suite. Parce que là, quand je vois, j'arrive à la ferme maraîchère qui est pas développée. Qui est loin d'être finie d'être développée. Mais bon, je crois que c'est le prochain truc que je vais développer. Enfin, que je vais terminer. Moi, ce que j'aime aussi sur cette map, c'est que t'as des routes dans tous les sens. Allez hop, sur le 39. Faut trouver sur le 39. Ouais, faut labourer le 39. Mais non, c'est récolte.
Il nous fait une Johan, quoi, il a fait le tour du vocal. Ouais, bah ouais, on en parlait il y a deux secondes. Je dis, ah, on va amener le matériel sur le 39. Oh, punaise. Ouais. Pardon. C'est rien, ça, c'est l'âge. Ouais. Il vient sénile. Ouais. Guigui le machin, je me souviens pas. Bah, ou alors t'attends qu'on ait fini de récolter pour la dorée, au pire. Laurent, il va nous suivre à la trace pendant que tu vas moissonner. Ouais. Est-ce sur la route, Alexis? Il aura fini de moissonner, je passe déjà directement le machin lui derrière. Oh là! Il y a des nouveaux trucs ici sur la route quand même. Hein? Ça secoue un peu, hein? Il y a des nouveaux trucs sur la route ici. Où ça? Et des tas de bois, des trucs comme ça qui ont apparu. Ah, vers le Concess? Ouais. Ouais, bah. Hop! Donc j'ai remarqué qu'il y avait eu des différences. Bah oui. Tac. Alors, bon les amis, nous on va s'arrêter. Non, vous voulez savoir si on avait fait 100 000 euros ou pas? Ah, oui, puis en plus j'ai même pas... Ah merde. J'ai pas fait bah, bon par le 21, il faut pas récupérer. Bah non, oui. Mais les autres, tu peux. Tac, tac, tac. Mission de la bourre. Mission de la bourre. La bourre. Bah, de toute façon, l'hôtel, tu peux pas l'encore pas terminer du coup. Laquelle? Bah, la 21. Vu qu'il a encore pas emmené sa benne. Oui. Donc, obtenir. Oula. Et du coup, là. 97 000. Tout de suite. On n'aura pas fait 100 000 alors. Bah, techniquement, aussi, parce que la 21, on l'a terminé. Donc, techniquement, oui. On est à plus de 100 000. Donc, on n'est pas loin. Au secours. On n'est pas loin. Allez, moi, les amis. Non, on va pas dans les arbres, toi. Je peux finir, je peux finir la vidéo, là? Non. 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 Bon, bah, allez, on fait un 24 heures de 1000 vaches. Ouais. Allez, je vais me faire chier à faire un montage de 24 heures. Chiche, allez. Chiche. Ouais, non, je crois pas, non. Je crois pas. Je sais même pas si YouTube, ils accepteraient une vidéo de 24 heures. Non. Bref. Allez, moi, sur ce, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer, liker, partager, commenter. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo des 1000 vaches. Sur ce, bye bye. Ciao! Au revoir. Bye bye. Bonne nuit.